Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler d'amour. Voilà, et oui, c'est le moment d'envoyer plein, 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 plein de love, comme le dit Yannick Alain, ou de développer vraiment l'amour de façon globale autour dans ses relations, comme viennent de le dire Marine et Max Piccinini, et puis évidemment dans le couple. Et donc ce week-end, il y a le sommet couple et sexualité. Je vous en ai parlé, je vous ai mis quelques infos. Franchement, je vous le recommande vivement. C'est un super sommet. Il y a 19 conférences. Alors bien sûr, vous ne les verrez pas toutes parce que sinon vous allez passer le week-end devant l'ordinateur. Et c'est pour ça que Capucine, qui a créé ce sommet, vous le propose à un coffret, voilà, d'avoir toutes les conférences regroupées pour un tout petit prix. Et évidemment, c'est la solution que je vous recommande parce que vraiment, ça permet de profiter de toutes les conférences au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end, donc justement dans ce sommet couple et sexualité? Des interventions de professionnels qui sont super pointus dans leur domaine. Donc il y a par exemple Christina Marquez qui travaille beaucoup sur les blessures que l'on peut avoir, sur toutes les relations traumatiques, hein, les relations de dépendance, de maltraitance, etc. Elle vous propose une conférence sur la rencontre amoureuse pour lever les obstacles. Et ça, c'est hyper important avant de se mettre en couple. Ou alors justement, quand on veut reconstruire un couple, si on est plein de trucs, cochonneries, bah évidemment, ça marche pas bien. Ça a été mon cas pendant un bon bout de temps. Et évidemment, il a fallu que je nettoie toutes ces choses-là avant de pouvoir être disponible pour être en couple. Il y a plein d'autres conférences, je vous parcours un tout petit peu, vivre donc une sexualité intime libre, les stades, les différents stades de l'amour dans le couple, parce qu'évidemment il y a différentes étapes. Il y a également bon une conférence sur mieux communiquer justement dans le couple grâce à l'énéagramme. Il y a plein 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 de choses. Donc une conférence aussi pour apprendre à reprogrammer son cerveau en tant qu'être humain pour retrouver son plein pouvoir. Parce que bien souvent dans les relations, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on est dans un système de dépendance, de maltraitance, comme je le disais tout à l'heure, et ça va être compliqué de se remettre en couple, hein. Voilà, moi j'ai vécu ça pendant des années et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage à faire avant de pouvoir me mettre en couple. C'était compliqué. Voilà, il y a une conférence sur le massage tantrique, qui est un type de massage qui permet de réveiller de la tête aux pieds. Il y a une conférence, alors ça c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. Demain, il y a des conférences sur le couple sacré, pour avoir un couple plus harmonieux, pour toutes les femmes qui peuvent avoir des problèmes de vaginisme ou de choses comme ça, hein, problème de douleur, de mal-être au niveau de ses organes sexuels. Il y a évidemment des informations aussi pour guérir les différents chakras, les différents niveaux de notre énergie. Bref, je vous en passe, je vous remets le lien de toute façon. Je vous invite à profiter des conférences, celles que vous pouvez ce week-end, à vous offrir le coffret pour pouvoir en profiter plus longuement et pouvoir les regarder tranquillement. En plus de ça, dans le coffret, il y a plein d'ateliers qui sont proposés, qui sont super sympas. C'était déjà le cas l'année dernière. Et voilà, parce que il y a toujours deux énergies. Il y a la peur et il y a l'amour. Quand on est dans l'amour, on ne peut pas être dans la peur. D'accord? C'est pas possible d'être les deux en même temps. Donc à vous de choisir. Soit vous restez dans la peur, soit vous développez votre capacité d'amour, de love, de gratitude, de tout ça. Et ce sommet, eh ben, c'est justement l'occasion de cultiver cette capacité d'aimer sur des choses concrètes. Parce qu'il faut bien se dire, l'amour, aimer, est un verbe d'action. Et donc quand on apprend à poser les bonnes actions, eh ben, évidemment, ça marche beaucoup mieux. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, eh ben, profitez bien de ce week-end sommet couple et sexualité. Bonne continuation!